2016 et je profite de l'occasion de souhaiter à tous et à toutes une meilleure année, une année d'excellence, une année de prospérité et une année d'action pour le Seigneur. Nous sommes de retour sur ce plateau pour débattre de la prophétie, de la parole du Seigneur. Et à vous, très chers frères dans le Seigneur, vous qui avez pris l'habitude de nous suivre de temps en temps, nous avons le même invité, sans surprise, c'est le docteur King Chiliba de White Eagle Tabernacle. Pasteur, bonjour. Bonjour. Et une très excellente année 2016 à vous. Merci. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Et le tout dernier numéro était très passionnant parce que nous l'avons ressenti, nous avons beaucoup d'écho. Et effectivement, c'est parce qu'on en parle, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, que nous sommes obligés de revenir, de commencer par là. Le point que nous avons abordé au tout premier numéro, c'était vraiment passionnant, je l'ai dit. Et nous avons parlé, c'est vrai, du Mazaro, mais cette fois-ci, on ne va pas revenir exactement sur le Mazaro. Nous allons prendre un petit point qui a bousculé, qui a soulevé les montagnes. C'est lorsque vous avez abordé la notion de la lampe ardente, la septième lampe ardente. Et on aimerait quand même revenir là-dessus parce que c'était juste en passant que vous avez souligné cela. Et il y a plus d'une personne qui voudrait quand même savoir c'est quoi quand vous parlez de la septième lampe ardente. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Merci. Je vous en prie. Cette réaction me touche énormément. Que de constater la sensibilité des gens qui suivent avec attention les déclarations des prédicateurs, et aussi les dires, et chercher à les comparer au reste des Écritures, chose qui est devenue très rare. Mais ce qui concerne l'implication de la septième lampe ardente dans le huitième jour, bien que ça semble être un peu mystérieux, je crois que si... Oui, mystérieux, excusez-moi de vous interrompre, justement, mystérieux parce que vous montrez que la septième lampe ardente, normalement, c'est elle qui met fin au sept âges de l'Église. Sauf que ce n'est pas, en parlant, vous montrez que c'est plutôt, la lampe brille plutôt au huitième jour, alors que sept jours, vous parlez cette fois-ci de... le huitième jour, et cette lampe brille normalement dans le huitième jour. Mais c'est ce que je viens de dire, que ça semble être mystérieux. Je crois qu'il suffit un peu plus de méditation profonde, cela va s'éclairer d'elle-même. Alors, c'est pas une confusion? Non, c'est pas une confusion, je crois que je peux essayer de développer. D'accord, vous avez tout le temps. Premièrement, il faut établir la différence entre la manifestation de l'Esprit de Dieu au cours des âges de l'Église, selon Apocalypse chapitre 1er, verset 20, où le prophète appelle les chandeliers comme étant des lampes. Et dans ce verset que je viens de citer tout à l'heure, c'est l'ange qui donne la révélation à Jean, lui montrant que ces chandeliers, au milieu duquel l'ange marchait, étaient les sept églises que, par la révélation de l'Esprit, l'imprenant fait une projection pour montrer que ce sont les sept périodes historiques de l'Église, appelées communément les sept âges d'Église. Donc, William Branham me montre tantôt que les sept chandeliers, les appellent les sept lampes. Mais il y a une différence entre les chandeliers d'Apocalypse ou les lampes d'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, et les lampes ardentes d'Apocalypse, chapitre 4, le verset 5, qui sont en effet les sept esprits de Dieu ou les sept anges célestes qui se tiennent devant le trône ou devant Dieu. Pour appuyer cette écriture, ou
cette hypothèse, ce serait mieux que je lise le prophète lui-même. C'est sans souci, hein, parce que ce qui nous importe ici, c'est que ça soit clair, parce que plus les gens posent des questions, plus ils veulent avoir les réponses nettes, et avec citation à l'appui. Effectivement, parce que ce qui compte, ce ne sont pas les démonstrations des prédicateurs, mais plutôt ce que le messager a dit. Exactement. Dans l'exposé des états de l'Église, la page 240, de ce que William Branham a dit, il fera le lien de tous les anges mentionnés dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. Il nous dit, en prenant Apocalypse chapitre 3, le verset 1, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. » Une fois de plus, comme dans les quatre âges précédents, donc il est au cinquième, l'Esprit nous révèle notre bienveillant Seigneur en annonçant ses merveilleux attributs. Cette fois, alors qu'il se tient au milieu de l'Église, nous le voyons comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc là, Frère Branham commence à appuyer qu'il y a une différence entre les sept esprits et les sept étoiles. Nous savons qui sont les sept étoiles. Il nous reste à identifier les sept esprits. Et déjà, selon Apocalypse chapitre 1, le verset 20, les sept étoiles sont les sept anges des sept églises. Là, il nous montre qu'il nous reste à identifier ce que sont les sept esprits. Il continue. On trouve cette même expression quatre fois dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. De la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1er, là nous venons de lire, de la part des sept esprits qui sont. Voici celui, ce que dit celui qui a les sept esprits. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 5, il dit du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes. Qui sont les sept esprits de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, il dit et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept corps et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voici le commentaire que Frère Branham va donner. Pour commencer, nous savons avec certitude que ce verset ne nous enseigne pas une nouvelle doctrine, contraire à Jean 4, verset 2. Dieu est un seul esprit. Ceci est plutôt un rapprochement de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 11. Il est parlé d'un seul esprit qui se manifeste en 9 manières différentes. De sorte que nous savons que le sens des sept esprits de Dieu, c'est qu'il y a qu'un seul et même esprit qui se manifeste de cette manière différente. Or, dans Apocalypse chapitre 4, le verset 5, ces mêmes sept esprits sont appelés des lampes ardentes qui brûlent devant le Seigneur. Donc, Branham commence à développer que les sept esprits de Dieu, ici dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, ce sont les lampes ardentes qui brûlent devant le Seigneur. Comme Jean n'a jamais utilisé dans l'Apocalypse d'autres symboles que ceux de l'Ancien Testament, nous nous référons à l'Ancien Testament et nous trouvons dans Proverbe 20, verset 27, que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, dans la version d'Arve. Ces sept esprits sont donc en rapport avec l'homme. Et dans Jean 5, le verset 35, Jean-Baptiste est appelé une lumière qui brûle. Et d'après la version anglaise du roi Jacques et la traduction exacte, en fait, est une lampe qui brûle. Donc voyez-vous déjà que William Branham commence à établir une nette différence entre le chandelier comme étant l'église
et la lampe comme étant l'homme. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, les sept esprits sont aussi désignés comme les sept yeux. Et dans Zacharie, le chapitre 4, le verset 10, ses yeux sont les yeux de l'Éternel. Et compte tenu de toute évidence, le « il » se rapporte ici à des hommes. Ainsi, dans ce cas, nous voyons que les yeux de l'Éternel sont des hommes au point, et remplis du Saint-Esprit, bien sûr. Car le ministère de Dieu ne peut pas s'accomplir par la puissance de l'homme, mais seulement par la puissance du Saint-Esprit. Donc, les sept esprits de Dieu se rapportent au ministère ininterrompu du même Saint-Esprit dans la vie de cet homme avec lequel Dieu s'identifie étroitement. Ils sont ses yeux, ils sont ses lampes. Donc, je crois que nous ne sommes pas dans la confusion de montrer que la septième lampe ardente que j'ai identifiée comme étant le HAN qui revient pour poindre les 70 anciens comme l'Esprit de l'Éternel qui était dans Moïse et qui a été réparti sur les 70 anciens qui portèrent le même la même mission ou la même charge que Moïse. Alors, c'est vraiment bien de faire une telle démonstration avec référence à l'appui pour le bien, tant pour notre propre bien que pour le bien du public, pour ceux qui nous suivent tout le temps, parce que la parole de Dieu ne consiste pas simplement à enlever une parole. Et toute la parole a été révélée par un seul homme, William Marion Branham, l'homme croyant. Et lorsqu'une déclaration de, comme celle-là sort, vous voyez que le public a tendance à prendre cela avec des pincettes parce qu'on se dit que ce sont des chercheurs, mais vous autres, vous êtes des chercheurs et c'est vous qui tantôt égarez certains, tantôt éclairez d'autres. Alors, parlons effectivement de ces esprits, comme vous l'aviez souligné. Nous avons Paul, par exemple. Et William Branham dit que Paul est le messager, donc les yeux de l'Éphèse. Sauf que lorsqu'il le dit, Paul n'est plus en action. Paul n'est plus là. Il est déjà décédé, entre guillemets, parce que cette de Dieu ou les fils de Dieu ne meurent pas. Sauf que Paul n'est plus là. Comment se fait-il que ses yeux ont pu parcourir l'âge d'Éphèse pendant que l'intéressé n'est plus là? Je crois que c'est l'une des questions sur lesquelles s'appuient les détracteurs du message. Plus précisément, les églises dites les églises du réveil. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est par inspiration divine que le prophète avait choisi ou sélectionné ses messagers. La preuve en est que, à la fin de cet enseignement sur les actes de l'Église, la colonne de feu est rentrée dans la salle et a réécrit avec précision le chemin que William Branham avait décidé. Et pour ainsi dire que, quand Jean effectivement reçoit les lettres prophétiques de l'Apocalypse dans l'île de Patmos, effectivement, l'apôtre Paul n'était plus vivant. Mais ce n'est pas vivant ou mort qui fera qu'il soit le messager ou pas. La preuve, c'est que Jean-Baptiste, au moment où il apporte son message, sa prédication était tellement frappante et étonnante que les scribes, les pharisiens, furent envoyés auprès de lui pour lui questionner en ce mot. Je prends dans Jean 1, chapitre 19, verset 21. Et voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent à Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu ? » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ, ce qui était vrai. Et ils lui demandèrent « Quoi donc es-tu Élie ? » Il dit « Je ne le suis point. » Es-tu le prophète? Il répondit non. Voyez-vous que
lors de sa naissance, dans Luc, le chapitre 1, le verset 17, l'ange Gabriel avait dit à son père qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants. Donc, d'une certaine manière, Jean-Baptiste était Élie, où il a marché sous la puissance d'Élie. Mais au moment où on lui questionne, es-tu Élie ? Il réunit cela publiquement qu'il n'est pas du tout Élie. Et vous verrez que dans Matthieu 11, verset 12 jusqu'au verset 15, je prends la Bible, là où le Seigneur commence à rendre témoignage de Jean-Baptiste après que Jean-Baptiste a été emprisonné. Parce que la mission de Jean-Baptiste s'arrête, ou son âge, sa dispensation s'arrête au moment où il présente le Messie. Et l'onction le quitte. Donc, il peut mourir ou pas à l'instant même. Il n'est plus en service. Écoutez ce qui se passe ici. Alors que pendant ce temps qu'il est sous l'onction, il réunit même ce qu'il est. Que vient dire le Seigneur? Il dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé à ceux. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car de tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Voyez-vous que ce verset biblique vient comme contredit la déclaration propre de Jean-Baptiste, alors que lui, il a dit qu'il n'est pas Élie. Mais une fois que sa mission est terminée, le Seigneur lui dit que c'est lui Élie. Et dans Matthieu 14, le verset 10, la Bible dit que là, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Dans Matthieu 14, Jean n'est plus là. Il est décapité. Maintenant, on arrive dans Matthieu 17, après la vision de la transfiguration. La voix dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout le plaisir d'y habiter, écoutez-le. Et les disciples, les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont été pleinement convaincus que Jésus-Christ était le Seigneur, le Messie. Ils posaient la question, mais pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Voyez-vous comment un peu l'entendement est souvent fermé. Et le Seigneur dit, non, il est vrai que Élie viendra rétablir toutes choses, mais je vous le dis que Élie est déjà venu. Et je crois que le verset final, le verset 13, où les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean. Donc, voyez-vous que la même scène se répète ici. Donc, c'est après avoir achevé sa mission, une fois qu'il est hors course, que le Seigneur commence à montrer qu'en fait, le messager est Jean-Baptiste, que Élie est Jean-Baptiste. Donc, Jean aussi est rentré dans la même situation, je crois, dans l'île de Patmos, où quand l'ordre de recevoir des visions ainsi, de déterminer les messagers ou les anges de l'Église, l'ange de l'Église d'Éphèse n'est plus là, il est déjà parti. Donc, ça ne supprime pas le fait qu'il n'est plus de ce monde, qu'il ne soit pas le messager, puisque Jean-Baptiste n'était plus là. Personne ne l'a reconnu qu'il était le Élie. Mais le Seigneur a confirmé que c'est lui le Élie. Mais il n'a pas été reconnu, parce que généralement, c'est une grâce de reconnaître le messager de ton. Cette tâche est réservée. Merci, docteur. Là encore, la question est réglée. Donc, pas de confusion. En ce qui concerne les lampes et les lampes ardentes et les esprits, les étoiles, j'allais dire. Donc, pas de confusion. Tout a été nettement dit par le docteur King. Mais une question, toujours en ce qui concerne les lampes. C'est vrai que les sept esprits et les étoiles et les lampes, il y a une association, mais vous dites que la septième lampe n'a pas brillé au septième âge de l'Église, mais elle a plutôt brillé au huitième âge. Alors là encore, ça peut soulever des montagnes. On aimerait quand même avoir une idée de ce que, d'une telle déclaration, est-ce qu'il y a un abus? S'il y en a, comme vous le faites d'habitude, on aimerait avoir cela. Je vais prendre pour répondre à cette question, je vais lire une citation du prophète dans l'âge de l'église de Sardes, le paragraphe 73. Écoutez ce que William Branham dit ici. Les sept
où les esprits, parce qu'il commence maintenant la salutation, les sept esprits et les sept étoiles. Il est dit que les esprits, parce que les sept esprits sont les sept lampes, comme nous l'avons précédemment dit, les esprits sont les anges qui vont vers les étoiles, qui sont les messagers. Donc, il y a l'étoile et il y a l'esprit ou la lampe qui vient vers l'étoile. Cet esprit, à cette reprise, le Saint-Esprit oignit un messager qui était l'étoile pour son temps. Un esprit est éternel. L'esprit qui est la lampe, j'avais dit tantôt qu'il est éternel. Donc, il peut oindre plusieurs vases, mais dans une dispensation, ou la même dispensation, ou le même âge de l'Église. Et j'ai pris le titre de l'âge de Thyatire qui a duré 1000 ans. Donc, cet esprit qui est l'ange, ou la lampe, ou l'esprit, a oint le messager de cet âge, qui était Colomba. Et après le départ de Colomba, Fabana m'a dit, l'on peut tuer le messager, mais on ne peut pas tuer le message parce que le message est gouverné ou contrôlé par la lampe qui est l'ange lui-même. Et d'ailleurs, Fabana ne limite pas la présence de l'ange de par sa présence physique ou en tant qu'étoile. Mais il montre qu'après son départ, le message continuera. Et l'ange du Seigneur sera toujours présent. La procès en Jamaïque, au moment où on écoute la bande des sceaux, la colonne de feu qui est l'ange du Seigneur est descendue sur le manatophone et Frabanam n'était pas là. Les gens ont vu ce spectacle-là. Donc, l'esprit est éternel et les étoiles ont été faites dans le but de refléter la lumière dans les ténèbres, dans ce tâche de l'Église. Vous voyez, elles sont représentées par des lampes. L'ange, l'esprit, c'est celui qui va vers l'étoile et qui reflétait la lumière du Saint-Esprit au travers de l'étoile pour ce tâche de l'Église. Donc, comme l'apôtre Paul, dans Acte 27, le verset 23, il déclara qu'un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Donc, Paul étant le messager ou l'ange terrestre était accompagné d'une présence divine qui est un ange. Et dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, il dit que les anges sont les esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, il y a l'association de l'ange céleste qui est la lampe venant oindre l'ange terrestre qui est l'étoile, tout en sachant que l'étoile agit dans le temps, mais la lampe, elle est éternelle. Donc maintenant, pour traverser ou pour voyager et arriver en ce temps de la fin, parce qu'en ce temps de la fin, la situation devient un peu plus sensible, parce que le ministère de William Branham a eu deux facettes. Et pasteur, excusez-moi, je me semble que vous êtes en train de contourner ma question. La question voudrait que vous puissiez nous dire. Parce que dans vos recherches, dans ce que vous prêchez, ce que vous croyez, et vous en êtes fier, vous dites que la septième lampe n'a pas brillé. Mais la lampe, plutôt la septième lampe, sauf erreur, n'a pas brillé comme telle, mais c'est plutôt la huitième qui a brillé. Non, il n'y a pas huit lampes, il n'y a que sept lampes. Non, lorsque nous arrivons, d'abord nous devons établir le principe de sept étoiles, allant de Paul jusqu'à la septième étoile qui est William Branham. Alors, William Branham déclare que, remarquez que le septième messager n'a pas un messager ou un ministère particulier, mais sa mission c'est de rassembler tous les points laissés en suspens au cours des âges par ses réformateurs. Parce qu'il n'y a que Paul qui était le prophète parmi ces six étoiles, c'était Paul qui était le prophète. Ceux du milieu et les cinq autres, c'était que les réformateurs. C'est le septième qui est un prophète. Lorsqu'il vient, c'est que des vérités ont été perdues au cours des âges. Donc la première mission dans le septième âge, c'est de rétablir les vérités perdues au cours des âges. Sauf que vous dites en même temps que le septième n'a pas diffusé son message.
Oui, mais le message du septième ou de la septième, étoile, son message à lui ne retentit pas dans le septième acte de l'Église. Je lis Fawana Messie dans la fête des trompettes, le paragraphe 64, éthique. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'acte de l'Église de la Odyssée et ce ne serait pas juste. Ah bon? Oui, c'est Fawana qui dit ça. Alors, ça vient mettre fin carrément à la question, je peux même plus poser la question suivante. Non, mais c'est pas peut-être qu'il faut aider les chers téléspectateurs parce que la réaction vient plus de leur part. Donc, arriver à la septième ou au septième chandelier, il est caractérisé par l'obscurcissement total, donc la perte des valeurs spirituelles. Donc, il est question premièrement pour la septième étoile de rétablir le fondement qui a été perdu au cours des âges. Une fois que ce fondement rétabli, en ce moment-là commence son vrai ministère. Et son vrai ministère, c'est en ce moment-là que la septième langue entre en action pour divulguer le message, raison pour laquelle il est dit ceci, que puisque l'âge de l'Odyssée était le seul ayant rejeté Christ, ou là où Christ était en dehors de son Église. Et là, maintenant, explique aussi dans la dimension du chandelier, c'était le seul âge ou le seul chandelier qui était éloigné de lui. Donc, d'abord, il y a la perte des valeurs spirituelles qui doivent premièrement être rétablies. Et quand ces valeurs sont rétablies, alors il y a une seconde phase. Dans cette seconde phase, il n'y a pas simplement la septième étoile ou la septième lampe plutôt qui vient à la septième étape, mais il y a l'association de tous ces anges en tant que lampes qui ont eu leur action depuis Paul jusqu'à William Branham, qui revient dans la totalité pour former la grande lumière. Mais oui, et vous voulez dire que cette lampe a brillé, non seulement ne passe pas dans le sixième âge, mais dans un autre âge qui vient après? Alors qu'on n'a que cet âge. Disons non. Au-delà, parce que William Branham pose le chandelier. Maintenant, il nous montre que dans les fêtes, parce qu'il y a cette fête en Israël, la septième, c'est la fête des tabernacles qui représente les églises. Donc, il était célébré pendant 7 jours. Et pas qu'au lendemain du septième jour, qui est le huitième jour, il y aura une sainte convocation. Ah, il y a finalement un huitième. Oui, effectivement, raison pour laquelle c'est dans ce huitième jour où la septième lampe ardente se déploie. Raison pour laquelle, pour comprendre l'action de cette septième lampe, il est nécessaire que nous étudions le changement du ministère de William Branham. Très bien, pasteur. Merci, merci, parce que, comme vous le savez, que 30 minutes seront rien pour une telle émission. Le déploiement de la septième lampe, nous comprenons que c'est finalement le huitième jour, en rapport avec les fêtes dont vous citez, qui étaient célébrées par Israël. Est-ce qu'on aura le temps de développer? Il nous reste pratiquement plus rien, quelques minutes, juste le temps de dire à nos téléspectateurs que le temps, 30 minutes, pour examiner la prophétie, c'est rien du tout. Et c'est peut-être une occasion de revenir la seconde fois, et toujours avec le pasteur King, pour continuer avec les lampes. À très bientôt, et merci.